Salut, salut! Donc voilà, c'est Piggle. Donc on est sur Team Fortress 2, hein. Et là, je vais vous présenter. Excusez-moi. Un nouveau mode. Enfin, en fait, c'est des maps spéciales créées par la communauté. Par cette joyeuse communauté de Team Fortress 2, hein. Sans parler des Kikou, bien sûr. Donc voilà, revenons à nos moutons. C'est le mode Jump. Des maps de Jump Aventure. Alors en fait le but c'est d'aller au bout d'un parcours. Donc sans kill, sans rien. Et ça se joue avec principalement deux classes, qui sont le Demoman et le Soldier. Donc voilà, hein. Comme vous pouvez voir pour l'instant sur la vidéo, hein, il faut se propulser, hein, avec bon, moi là j'ai le propulsateur, hein, ça fait que je prends pas de dégâts, mais de toute façon. Regardez, 999 de vie, munitions à volonté. Donc voilà. Donc c'est les parcours comme ça, hein. C'était juste pour vous montrer ce mode. Hein. Ah oui, et encore une précision, hein. C'est par étape. Donc là, je sais pas si on voit sur la vidéo. Ah oui, regardez là, un 7. Donc là c'est l'étape 7. Et en fait, à chaque fois qu'on touche le sol, en gros, enfin. Et ben on est re-téléporté automatiquement. Au début de ce numéro là. Voilà, hein, il faut le faire sans. Par exemple là, si je tomberais là, bah voilà, je reviendrai ici, bah, comme vous allez voir, regardez. Hop, voilà. Je suis revenu là. Parce que je l'ai loupé. Et voilà, bon. Mais bon, ça paraît pas comme ça, mais c'est assez technique. Hein. Enfin voilà. Et pour sauter, pour mieux sauter, hein. Enfin je veux dire pour sauter plus haut et plus loin et tout ça, il y a beaucoup de techniques. C'est assez assez chaud quand même. Surtout certains endroits. Donc en fait quand on saute, il faut s'accroupir au bon moment. Rester accroupi et tout. Donc après voilà, hein, des maps jump, il y en a plusieurs sortes, plusieurs difficultés. Donc là on a changé, là c'était une nouvelle map, hein. Parce que l'autre voilà. Et là bah celle-là elle est assez dure, on va dire. Enfin, l'autre était encore pire, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu tout finir. Et là celle-là ça allait. C'est quand même réussi, mais voilà, enfin vous allez voir, je vais pas vous spoiler tout non plus, hein. Bon, donc après voilà, hein. Pour rechercher des maps de ce genre sur Team Fortress 2, il suffit de. Dans la barre de. Où on peut marquer, enfin voilà, il suffit de marquer jump. Et puis voilà, vous allez tomber tout de suite sur des maps. Comme jump-aventure ou jump-arida, enfin il y en a plein, voilà. Vous allez voir, il y en a plein de divers et variés, des durs, des pas durs, des moyens, et voilà. Voilà au passage un obstacle assez dur. Hein. Vous avez échoué. Et voilà. C'était un peu bizarre d'ailleurs, je sais même plus que. Voilà, moi. Enfin, en fait, je crois que c'était le changement de map. Et voilà, là on a changé de map. Hein. Donc là, ce sera la dernière map de cette vidéo. Celle qui durera le plus longtemps. Et voilà. Donc là oui, je. Voilà. Donc ensuite, n'hésitez pas à commenter, hein, pour dire ce que vous pensez de la vidéo ou tout simplement de ce mode de jeu. Enfin voilà, donnez vos avis. Et n'hésitez pas non plus à mettre un pouce vert ou autre. Voilà, voilà. Donc voilà, petite raillerie de vantardise dès qu'on réussit un obstacle. Donc voilà, hein, je vais vous laisser, hein, la suite en musique. Allez, ciao! À plus les amis!